Notre parcours musical nous a tout d'abord conduit sur la place d'Arcy, à la découverte de Jepsies sur le stand de Radio Campus. I feel sick et le temps de nous retourner, nos oreilles sont attirées par des sonorités et des couleurs antillaises. La curiosité et la foule nous mènent dans la cour de l'hôtel d'Esternault, où le rêve de diriger l'orchestre Dijon-Bourgogne devient réalité pour le simple quidam. C'est la première fois. C'est très émouvant. On est lié à la main puis au corps à un ensemble d'instruments. On a l'impression d'être au volant d'une Porsche. Et c'est bien connu, certaines musiques incitent à la danse et ça nous prend à tout âge. C'est une bonne ambiance avec un super groupe, les Atomic Cats. Ils sont super. C'est super cool, on s'amuse bien, il pleut pas, donc c'est... On a vu le dub à Darcy, on a eu les... La chorale. La chorale à côté de la... à côté de l'église, et voilà. Et là, le petit groupe un peu dark, des familles, là, c'est plutôt bien. En Kabylie, ouais. C'est plutôt bien. Au détour d'une rue, on s'arrête devant les élèves du conservatoire qui, pour la première fois, ont leur propre scène. Et sans rire, on a croisé les Daft Punk. Bien sûr, on sait que c'est pas eux. Enfin, qui sait. De toute façon, ça fait toujours des souvenirs à raconter aux copains.